T'es comme ce qui dit poté code pour marrer grand manger, et ben je dis à ces code n'a poté pour nous fouquer, pour nous marrer des pattes, des bras Joseph Michel Matéli, ancien président PHTK, numéro 1 gang PIA, c'est pas nous qui dit, c'est les États-Unis, et ben qui fait sanctionner ancien président là, yo joine tout ça, ça aurait les drogues là lui-même, c'est sous l'île dormi même, c'est ça le fait pour le vivre. Trafic et drogue dans PIA. Et puis, voyez l'argent par Haïti, monsieur Haïti, ou achetez des âmes, passez dans le bateau, portez pour vous, et bien vous êtes capable de faire kidnapping, mettez le pays à tête en bas, pour vous dire, et bien Michel Matéli, c'est tout, c'est ceci, c'est cela. Donc, on entend un pile journaliste, Kabdou, Michel Matéli, il n'est pas petit garçon, il n'est pas dit, il pas date. Et bien, mesdames et messieurs, dans la question de sanction, Kab prend contre divers nègres, mais qui ont même gagné de toute longue, hein, dans l'insécurité en Haïti, et bien, pour être capable de toujours paraître comme sauveur. Et bien, je dis là, Michel Matéli, encore une fois, monsieur tombé en bas sanction les États-Unis. Avant, c'était Canada. Et je dis c'est les États-Unis. Et bien, il reproche monsieur comme un nègre et cap fait trafic de poudre là. Et c'est un nègre tout qui est très fond dans l'insécurité en Haïti. Oui. Nous, à côté le passé, vous pas voulu Michel Matéli jouer balle, vous pas voulu soutenir qui performer. Mais malheureusement, il y a un gros programme là pour le fait. Moi, Michel Matéli affiché, on croit créole là, on bagaille comme ça. Eh bien, est-ce que le programme ça va continuer ou pas? C'est une question qu'a posé parce que Michel Matéli, eh bien, je dis à qui c'est 20 août 2024 là, fait une sanction dans les États-Unis. Nous allons inviter au gain tout détail dans la vidéo ça, mesdames et messieurs, concernant, eh bien, problème Michel Matéli dans le moment où on a parlé là. Monsieur Paka Kembe Diare, monsieur Paka Kembe, même appétit Michel Matéli pas gagné, eh ben en plus on a demandé faut que monsieur lui-même lui tourner Haïti parce que si on prend sanction contre monsieur faut pour la monsieur Haïti vivre dans insécurité parce que c'est l'autre ou fin mettre insécurité à le faire ou tout ou quitter haïtien là-dedans. Eh ben mesdames et messieurs, on écoute pour plus de détails n'a tourner. Et même penser à Auguste Michel Matéli, il a fond baissé. Oui, il a fond baissé, il va le tendre, il va le baiser avocat, il va le baisser si c'est là. Moi même ça m'a m'était dormi tard. Nous avons causé convention démocrate, nous avons gardé dans notre fuseau horaire, nous avons dormi tard. Moi, je ne suis pas une nouvelle abonnée. Non, je ne suis pas une nouvelle abonnée. Nouvelle là, son nouvelle, je suis dans ta. Mais comme c'est dans ta, je suis une nouvelle là, eh bien, je suis dans une nouvelle là, dans le bonnet nous-mêmes. Oui, dans le bonnet pour nous, je suis dans ta, pour nous, nouvelle là. Nouvelle là, il est clé, je suis dans dormi. Ma première, c'est Zami, ça. Cal Setil, qui dit, me donne une nouvelle là. Nouvelle, ça peut être sur un pilou. Oui, Cal, moi, bagayou. Eh bien, messieurs, dames. Et bamba nous cause. Michel Matéli qui fait 12 février 1961 dans Port-au-Prince, qui continue à jouer, il y aurait les suites Mickey, hein, El Michel et Marilay, il y aurait les tout tête Cali. Et bien, monsieur, son musicien, son compositeur et son homme d'État haïtien, monsieur, en même qui sont anciens président de la République, est-ce qu'on t'a dit Rémi Jean Sadrak, zami, parmi toi l'heure de ce live? Et bien, journée 20 août 2024, ça, qui sont belles journées, oh, journée bien commencé dans même. Eh bien oui, Michel Matéli, Zamam, sanctionné. Eh bien oui, sanction que département du Trésor, États-Unis, prend pour monsieur. Yo dit monsieur, donc, lui, c'est un trafiquant de drogue. Eh bien, je dis, bureau de contrôle des avoirs étrangers, ça aurait les OFAC, département du Trésor américain, eh bien, décidé sanctionner ancien président pays d'Haïti, m'a salué de Michel Joseph Matéli. Alors, forme de sanction, ça, sous sanction, on a peut-être longtemps, oui. Et pour ça, il m'a demandé, oh oui. Son sanction, Naptan, longtemps. Oui. Oh, c'est que ça, son sanction, Naptan, longtemps. Oui. Naptan, sanction, ça, longtemps. N'a pas demandé, ça passe, y'a qu'elle est bliée. Nous, par contre, essayer l'islam, t'es des problèmes. Ça vient de donner ce là. Oh, nous, par contre, si mon l'islam, il doit être des problèmes. Nous, par contre, essayer l'islam, t'es des problèmes. Nous, on va jamais parler des missiles. Nous, essayer l'islam, t'es des problèmes. Qu'on y a, nous, ouais, l'islam, elle est pas fini tellement grand le problème, mais, nous, ouais, l'islam, elle est pas fini tellement grave le problème. Y'a arrivé sous monde, puis y'arrivé. Y'arrivé sous Matéli, elle Michel et Matéli, ils ont mis pas nous, a fait pas nous, boss pas nous, bon bagay pas nous, Matéli. Matéli, faut camper là, c'est des faux plaques, bon boss attention. Eh ben oui. Eh ben, Michel Joseph Matéli, eh ben, bureau de contrôle des avoirs étrangers, qui aurait les OFAC, OFAC là, qui est le département du Trésor américain, ils sont de ministère finance, ou gagné en Haïti, ya. Eh ben, décidé sanctionner ancien président Haïti, ya, Michel Joseph Matéli, conformément à décret exécutif E014059, qui était pris en date 15 décembre 2021, qui imposait donc des sanctions aux personnes étrangères qui impliquaient dans le commerce mondial, trafic de drogue. Et bien, action aujourd'hui,
contre Martelly. C'est pas moi qui a parlé, non, c'est le gouvernement américain qui a parlé. Pour Martelly, il va venir vous mettre d'abord. Martelly va venir vous mettre d'abord. Eh bien, action aujourd'hui, contre Martelly, souligne un rôle important et politique. Eh bien, oui, rôle important et politique déstabilisateur que Monsieur Michel Martelly, avec l'autre membre de l'élite politique là en Haïti, ou dans des fito d'amour, l'autre ami, yo même y a fait, eh bien oui, qui c'est des politiques qui corrompu, yo même y a joué dans la perpétuation crise actuelle là en Haïti. C'est sa sous-secrétaire renseignement financier, Bradley T. Smith. Est-ce qu'on t'a des amis, Pam? Eh bien oui, Patrick Pierre, qui a plagié étoile sous page Fernando Lavaïti, am salio, Patrick Pierre. Eh bien oui, et sous-secrétaire d'État, qui c'est Bradley Smith précisé, les États-Unis, ainsi que partenaires internationaux, yo, eh bien, yo déterminé pour yo perturber moun kap facilité trafic drogue, corruption et l'autre activité illicite qui a alimenté violence horrible gang yo a fait en Haïti et instabilité politique qui gagne en Haïti. Alors, m'a précisé, c'est pas moi-même qui a parlé, non, moun kap parlé, ya, c'est ministre, et alors, son vice-ministre, son sous-ministre, et oui, oui, que gouvernement américain gagne, et pas moi-même qui a parlé. Yo dit donc, moun sa yo donc, yo fait Haïti tourner donc un environnement qui propice pour gang armé yo fonctionner à grande échelle et moun sa yo tout yo fait pays d'Haïti tourner et ben oui yon point de trafic important yon poste de trafic important pour trafic drogue là et pays a et ben oui c'est la même qui a parlé non pas oublier non et ben moi pas donner qui a parlé donne pas rien pour dire dans ça c'est li m'a appelé pour nous oui oui Pierre Michel dit Fernando Gondia dans la rue Pierre Michel c'est pour moi et pour moi le mettre verbal pas responsable yo dit moun sa yo créé en Haïti yon environnement qui fait gang yo ap colporter ko yo en Haïti et puis qui fait Haïti tourner yon point de transit important pour trafic drogue rentrer aux États-Unis. C'est la moi même qui a parlé toujours m'a précisé. Gagne de nombreuses élites politiques et commerciales dans pays d'Haïti qui depuis longtemps impliqués dans trafic drogue et yo gen lien avec gang qui responsable violence qui a déstabilisé Haïti. C'est toujours les États-Unis qui a parlé. Les États-Unis dit déterminé pour promouvoir responsabilisation et pour tracer un avenir qui puis prospère démocratique et sûr pour tout haïtien. Alors parti ça il menti les phrases là c'est il m'a appelé le puis gars on essaye de m'a bailler non non faut me dire nous ça oh non chef ça c'est des bagages ici dans plein n'a dit ça tout vous comprenez ça me dit là oui oui faut nous dire causer rien bien en tout cas Martelly eh bien oui l'a abusé de influence li gagne est-ce qu'autant de Rémi Jean Sadrak zami pam k'a plagier étoile sous Fernando Lavaïti ya eh bien Martelly a abusé donc de influence li gagne pour faciliter trafic drogue dangereuse en Haïti notamment drogue tant que cocaïne à destination pays les États-Unis c'est pas Fernando qui a parlé de plus Martelly tout livrer à Zac blanchiment l'argent blanchiment produit de la drogue Haïti l'argent qui sortit dans trafic drogue là et il travaille tout avec des trafiquants de drogue haïtiens et ben moi même qui a parlé non Martelly s'il vous plaît oui. Et parrainé plusieurs gangs qui basé en Haïti. Au Martelly, ça où les parrain? Non, m'pas connait, non, si moun, c'est États-Unis qui écrit Martelly, y a parrainé gang yo. Donc, c'est parrain yo. Est-ce que c'est ça où les parrain? Non, moi, m'a baisé connait, m'a cherché connait. Martelly parrain gang ouye? Oui, oui, ok, pas de problème. Martelly, connait, ou elle, Martelly, nous carré, Martelly parrain gang, oui, bah, moi, m'a dit, non, il écrit là. Il écrit noir sur blanc. Martelly, c'est parrain gang. Donc, Martelly lui-même, eh ben oui. Les gains liés donc avec moun qui a fait trafic de drogue, c'est le trafic haïtien et c'est Martelly donc c'est le gouvernement américain. Et yo gen donné, yo gen FBI, yo gen CIA, yo même qui vous dit nous, voye qui baille nous pas ta connait nous même. Et yo parrainé plusieurs gangs qui basé en Haïti. En tout cas, Martelly, il était déjà sanctionné par le gouvernement Canada depuis 17 novembre 2022. Martelly donc yo sanctionné le juin jodia en vertu de EOA donc Executive Order 14059. Parce qu'il était participé ou bien il était tenté de participer dans des activités ou des transactions qui contribuaient de manière significative. Ah oui, de manière significative ou bien qui présentaient un risque significatif pour contribuer de manière significative à prolifération internationale de drogue et moyens de production. En tout cas, sanctions jodi a imposé donc plusieurs interdictions qui liaient à Michel Martelly et au facto ajouté Martelly dans la liste des sanctions non basé sur le menu SDN, au fait d'il a travaillé en étroite collaboration avec DIE sous mesure sanction. Et vous connaissez qui dit, vous arrêtez Martelly? Et toi, on va arriver là, non? On va quoi elle écrit? Et là, nous, ça, c'est pas problème, pam, non, on va arrêter là. Ça va déranger. Non, à quoi ça dérange? Et problème, ça, à quoi ça dérange? On avance, Simon. En tout cas, conséquence sanction, ça, yo. M'a salué Mura Aubin qui a peine lagué 10 000 étoiles. Oui, autant de bien, 10 000 étoiles sous page Fernando Lavaïtia, Mura Aubin.